Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'était prévu. Je vous en avais fait à peu près la surprise à la fin de la précédente vidéo sur le Pocophone F1. Et vous aviez vu la boîte, mais pas le téléphone. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, que voici. Eh bien, vous savez que ce modèle vous avait été présenté donc via des photos sur ma page Instagram. Le mieux en Chine, actuellement, tout le monde le sait, on va le dire, on va pas se le cacher, il y a deux marques, Huawei, c'est pas facile à dire, je sais, on a l'air débile quand on le dit, et sinon, Xiaomi. Si on le dit en français, ça va, si on le dit en chinois, on a l'air un petit peu neuneux parce qu'on n'est pas chinois et donc on le prononce très très mal. Donc je le prononce à la française, comme je l'ai déjà dit précédemment. Bref, il y a d'autres marques, et ces autres marques, elles sont au nombre de trois, on va dire, hein, à peu près, voire 4 même peut-être, mais deux grosses, très, très clairement, hein, Oppo et Vivo. Ça y est, vous le savez, Oppo et Vivo. Et donc aujourd'hui, ça va être ceci. Le Oppo R15 Pro. C'est un mélange, parce qu'il a un processeur un peu plus puissant, mais moins puissant. Bref. Bon, ce qui change finalement, c'est l'encoche. Parce que là, vous avez un vrai notch. Tandis que le modèle qui est en Chine, le Neo, a une encoche en forme de goutte d'eau. Vous savez, la nouvelle encoche à la mode qui va sortir et que tout le monde annonce comme une révolution sur le OnePlus 6T. Or, le OnePlus 6T sort après le R17 Pro, par exemple, de chez Oppo, le R17 Pro étant le demi-frère du OnePlus 6T. Vous me suivez toujours? Non, c'est un vrai bordel, c'est vrai. Mais finalement, on s'en fout que ce soit un peu le bazar parce que ce modèle, il a franchement quelque chose d'énorme. Énorme de par sa finition. Il n'a vraiment rien à se reprocher par rapport à l'autre marque dont je parlais ou aux autres marques dont je parlais auparavant. Il n'a vraiment rien du tout à se reprocher. Finition métal superbe, un liseré doré autour des deux caméras arrière, un liseré doré autour du lecteur d'empreintes, un lecteur d'empreintes qui tombe parfaitement en main, regardez. Vous tenez votre téléphone, quoi de mieux que... voilà. C'est tout ce que vous avez à faire, juste le tenir, hein, et puis votre doigt tombe naturellement sur ce lecteur d'empreintes. C'est vraiment du tout bon. Alors, avant de vous faire cette revue technique de ce Oppo R15 Pro, je voulais juste vous parler vite fait de son prix. Cela fera peut-être partie de ses moins, à savoir que son prix, il tourne autour, plus de 500 euros. Voilà, ça... ouais, ça fait mal. J'avoue que ça fait un peu mal. Et le OnePlus 6T avec un processeur plus puissant va sortir autour des 555 pour son premier prix. 585 avec 8 Go de RAM. Ouais, je sais, ça fait cher, c'est vrai. Mais honnêtement, je pense que c'est une marque à découvrir. Alors, c'est vrai que, par exemple, Oppo a lancé son Find X en France à un prix, je dirais, trop cher. Hein, face à la concurrence, 1000 euros, 999 pour être plus exact. Avec une ROM bien France, hein, donc pas un modèle importé, voilà. C'est ce qui fait certainement la différence pour les utilisateurs au quotidien. J'en utilise un au quotidien, toujours, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Et très sincèrement, c'est pas top. Voilà. La ROM, c'est un peu bancal. Pourtant, le français était intégré d'origine dedans. Il a même la bande 20, donc c'est un plus. Et il coûte le prix de 650 euros sur les boutiques chinoises, en gros, à peu près. Voilà, donc vous voyez que ce modèle avec un processeur moins puissant, avec la technologie en moins du Find X, est quasiment au même prix. Et là, ça commence à faire beaucoup. Alors, certes, il est cher, mais maintenant, on va voir tout de suite ce qu'il vaut grâce aux résultats des tests et des benchs et tout le reste. Parce que côté caméra, vous allez le voir, c'est quand même, franchement, là aussi, plutôt pas mal. Hein. Il tient bien Xiaomi et ouais, sur les moyennes gammes, et voire peut-être léger poil devant, peut-être. Hein, je vous laisse. Allez, on va attaquer tout de suite et puis je vous en parle pendant la présentation de tous ces résultats. A tout de suite. Alors, ce Oppo R15 Pro,
Il a des dimensions de 156 mm de haut, 75 mm de large et 0,8 d'épaisseur pour un poids fortement contenu quand même de 180 grammes. Il est léger en main, on le tient très facilement et tout tombe parfaitement sous la main. Les boutons, le scanner d'empreinte arrière, tout est parfaitement intégré sur ce modèle. Les boutons présentent un résultat en pression vraiment très agréable. Vous entendez ce clic profond et très 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 sérieux. Et son dos est en verre, un dos avec un verre courbé sur les côtés, verre et métal, rien d'autre. Alors de quoi est-il équipé ce magnifique smartphone, n'est-ce pas? Il est équipé d'un Snapdragon 660, c'est le moyenne gamme 8 coeurs de chez Qualcomm, vous le savez. Alors c'est un 8 coeurs, c'est du 4x2,2 d'un côté, 4x1,8 de l'autre. Un CPU associé au GPU Adreno 512 qui, vous le verrez pour les jeux vidéo, quel répondant. Ouais, quel répondant. Est-ce bien utile finalement d'avoir un 845 ou un futur 855 ou voire encore un 835 parce que on en trouve encore quelques-uns équipés de ce CPU. Est-ce bien utile? Alors, lorsque le prix d'un smartphone équipé d'un 660 est au prix d'un 845, pourquoi se priver d'un 845? C'est clair. Mais il est moins gourmand ce 660, il est moins gourmand qu'un 845. La même batterie, environ 3500 on va dire, durera plus longtemps sur du Snapdragon 660 que sur du 845. C'est évident, vitesse d'horloge moindre. Voilà, bon bah c'est évident, voilà, tout simplement. Hein. Alors, le modèle que vous voyez à l'écran, il est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de ROM. 128 Go de ROM, ça vous laisse clairement de la place pour stocker ce que vous voulez, mais principalement des photos. Son écran, il est de 6,28 pouces. Me demandez pas pourquoi pas 6,3, pourquoi pas 6,2. Non, il fait 6,28 pouces. Bien entendu, il est full HD+, et c'est un écran AMOLED. Et oui, vous avez la qualité d'un écran AMOLED, et il est protégé par un verre en Gorilla Glass 5. Je sais, c'est jamais facile à dire quand on le dit comme ça, Gorilla Glass 5. Voilà, c'est mieux dit. Sa batterie, alors là encore un chiffre un peu, on va dire, bizarre, hein, 3430 mAh, une batterie lithium polymère, donc un plus aussi. Je ne l'ai pas dit, mais son écran au total prend environ 85% de la surface totale lorsque vous regardez votre téléphone, ce qui commence à faire un chiffre plutôt franchement intéressant. Alors moi, on en vient là à un point gênant, je trouve, c'est son OS. Alors d'un côté, il s'appelle FunTouch, de l'autre, il s'appelle ColorOS, et FunTouch chez Vivo et c'est ColorOS chez Oppo. C'est un ColorOS en version 5.2 et c'est de l'Android 8.1. Et bien entendu, mais il aurait été bien qu'il laisse de l'Android stock. Voilà. Alors, c'est pas que elle est imbuvable, on s'y fait finalement. Je dirais même qu'elle est peut-être un peu plus détaillée avec moins de menus cachés que du MIUI. Mais allez, mon Dieu, que d'options dans tout le sens. Alors, c'est un plus aussi parce qu'il y a des options qui sont fortement intéressantes avec des ajouts naturellement intégrés à cet OS. En fait, à cette surcouche, on va dire. Hein. On va pas dire OS, bon, on aime bien dire chez les fabricants OS, mais on va dire une surcouche. Premier abord, voilà, brouillon, trop d'options, mais finalement, après plusieurs semaines d'utilisation, très sincèrement, on s'y fait quand même. Alors attention, la mise à jour par exemple ne se retrouve pas ni au début ni à la fin, mais elle est en plein milieu de tous les menus. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que on s'y perd un peu au départ. Mais sinon, globalement, c'est quand même intéressant comme surcouche. Voilà. Ensuite, alors côté caméra, vous avez une caméra arrière. Une, non, deux, bien entendu, comme vous le voyez. On a 20 mégapixels et 16 mégapixels avec la deuxième caméra de 16 mégapixels qui a une focale de 1.7. Là, ça commence
à être intéressant, c'est un chiffre qui doit bien vous parler. 1.7, on commence à avoir une ouverture plutôt intéressante pour faire des photos de nuit. Vous avez la possibilité de faire des vidéos 4K en 30 frames par seconde, du slow motion, du time lapse. Voilà, beaucoup, beaucoup d'options côté vidéo. La caméra avant est une 20 mégapixels avec une focale de 2. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà aussi intéressant. On n'est pas sur les 2.2, voire 2.5 ou 2.4 de certains modèles hauts des petites marques avec des vieux capteurs. Là, on est quand même sur du capteur moderne. Donc, on a des choses intéressantes. Vous verrez ça, bien entendu, à la fin, lorsque je vous présenterai l'ensemble des photos et vidéos. Et son gros point, c'est ce qu'avait annoncé Oppo, la charge rapide. Je ne sais pas comment on la prononce, VOOC ou VOOC, V2OC, avec mes tests ont donné le résultat suivant. Écoutez-moi bien et vous allez voir, c'est là aussi son gros, gros point fort. Si on part, bien entendu, de zéro, en 10 minutes, on a 15% de batterie chargée. En 25 minutes, on a 35%. Donc, une charge très clairement rapide et c'est un vrai plus par rapport au modèle d'autres concurrents peuvent se targuer clairement de 15% déjà en 10 minutes. Hein. Vous le branchez 10 minutes après, 15%, vous pouvez quand même repartir sur le terrain et avoir un téléphone avec lequel vous pouvez communiquer très clairement. Hein, pas jouer, pas de réseaux sociaux, mais vous pouvez au moins téléphoner et ça, c'est le plus. Alors, bien sûr, puisque c'est un modèle vendu en France, nous avons le chiffre officiel du DAS tête. 1,43 watts par kilogramme, ce qui fait tout de même un bon chiffre. Alors, c'est vrai, il y a un peu mieux chez d'autres. Côté performance de ce Oppo R15 Pro, comme vous pouvez le voir, bon, les images sont légèrement saccadées. Adreno 512, hein, je vous le rappelle. Donc, c'est un peu normal, mais on voit que la qualité tout de même de l'animation et des pixels, hein, des polygones qui constituent toutes ces images, c'est bien là quoi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ce qui est de l'animation pure. Ce qui nous donne au final un résultat de 147 489 points au travers d'AnTuTu, ce qui en fait clairement un smartphone milieu de gamme, mais qui vise le haut du milieu, très clairement. Puisque vous le verrez par la suite avec d'autres tests, sur du milieu de gamme, on a régulièrement plutôt des scores inférieurs. Bref, voilà, vous avez un Oppo R15 Pro qui est au top de sa catégorie. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce R15 Pro est équipé du Snapdragon 660, un processeur finalement qui lui aussi est plutôt bon dans sa catégorie, puisque avec un score de 5805 points en multicore. Donc ça vous laisse un aperçu très clair de la qualité de ce processeur ainsi que de sa puissance. Single core, bien entendu, c'est toujours moindre, mais c'est quand même largement meilleur que du MediaTek. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Qualcomm fait de meilleurs processeurs, en tout cas encore pour le moment. On attendait mieux de la part de MediaTek avec les nouveaux P63 ou P60, mais ils ont du mal actuellement. Même les petits fabricants commencent à partir sur du Qualcomm. Et je pense que ça va faire mal à MediaTek, hein, très clairement. Et côté GPU, comme je vous l'ai montré précédemment dans la vidéo de l'animation AnTuTu, le résultat de Geekbench V4 pour la partie graphique, un score de 5430 points, ce qui en fait là aussi un excellent score face, malheureusement, à tout ce qui vient de chez MediaTek. L'Adreno est vraiment tout en haut de la pyramide des scores pour tout ce qui est graphique. Côté multitouch, vous le voyez, touchez-moi, 10 points. Donc, classique, 10 points, quoi de mieux, rien de plus, c'est un 10 points. Alors, au niveau du test de l'écran de ce Oppo R15 Pro, là on est sur l'image à 50%, vous avez l'habitude, les feuilles d'automne sont bien présentes, donc ça fait un plan plutôt sympa. Voilà, la nuit arrive tout doucement, enfin la nuit non, mais le soleil s'est couché, ça y est, voilà. Donc une image à 50%, bon, en dehors des soucis de rafraîchissement, on va dire, de caméra, comme vous pouvez le voir très certainement par ici, par là, à l'écran chez vous. Bref, on voit que l'image est lumineuse, avec des belles définitions de couleurs.
les couleurs brown colors. Voilà ce que ça donne. C'est franchement plutôt agréable. Les verts, très très verts, hein, il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous disais auparavant, hein, les couleurs sont un peu flash, mais ça n'empêche que finalement c'est quand même plutôt agréable à regarder. Voilà, toujours les verts, les gouttes d'eau, vous voyez que la définition est très très belle sur cet écran, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un très très beau travail qu'a fait Oppo hein, sur ce modèle et même sur, on va dire, l'ensemble de leur gamme. Ils sont très 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 actifs actuellement. Là, les Dark Colors, vous voyez que les noirs sont parfaitement rendus, le rayon de lumière est très visible, très net. Il n'y a pas de souci, les couleurs lumineuses. Bon, ce problème de rafraîchissement est un peu embêtant tout de même, je trouve, mais bon, voilà, très très belle définition avec des rouges. Bon, voilà, hein, c'est bien pétant, les oranges très très bien visibles aussi. Et voilà pour l'ensemble des couleurs sur cet écran du R15 Pro par Oppo. Alors, pour ce qui est du GPS, vous le voyez actuellement, un premier fixe qui est réalisé en 2 secondes. Nous avons entre 20-25 satellites visibles, pendant qu'il en fixe environ, vous le voyez, 16-18. Bon, on descend à 14, mais voilà, en gros, un GPS qui fonctionne parfaitement bien. Et ça fait partie des conclusions justement positives aussi de ce R15 Pro, un GPS très fiable, très stable, et qui répond très rapidement lorsque vous êtes sur la route. Et ça, c'est un plus, parce que beaucoup utilisent uniquement le téléphone comme GPS. Allez, on va lancer la musique Maestro, n'est-ce pas? Allez, on y va. Alors côté son, comme vous l'avez entendu, j'ai noté que c'était un peu faible en sortie et surtout que lorsque l'on passait à 100%, ça commençait à avoir une vibration qui faisait un système de ballonnement en fait. Vous voyez, ça gonfle, ça se dégonfle et on a l'impression d'avoir un son en fait plus étouffé que lorsque l'on descend la puissance en sortie. On reste autour des 85-90%. Voilà, il faut pas aller jusqu'à 100. C'est clair, à 100, ça devient vraiment pas terrible. Et c'est là, je dirais, son défaut côté son. Alors, côté jeu vidéo, vous le voyez, c'est un smartphone très fluide, très clairement. Ça bronche pas aux polygones multiples qui peuvent apparaître. Donc, une 3D très très fluide. Avec bien entendu une excellente luminosité en plein soleil, même si les couleurs sont calibrées, je dirais, un peu trop voyantes, hein, c'est un peu trop pétant. Bon, c'est le réglage à la chinoise, mais vous avez, grâce à cette AMOLED et puis sa puissance derrière de lumière, une excellente visibilité en plein soleil, très clairement.
Et petit plus quand même de ce smartphone, Oppo R15 Pro, je tiens à le signaler, c'est qu'il a une certification IP67. Ça veut dire quoi IP67? Ça veut dire qu'il résiste à la poussière, déjà c'est un excellent point, et surtout vous pouvez le mettre sous l'eau jusqu'à 1 mètre. Voilà, donc est-ce que ce sera bien utile? Mais au moins si vous le faites tomber dans la baignoire, bah, vous pouvez le récupérer, il fonctionnera. Vous le secouez un peu, faire tomber quelques gouttes qui peuvent traîner à droite et à gauche, mais il fonctionnera toujours. Your point is an elephant. C'est le temps des conclusions sur ce Oppo R15 Pro. Oppo R15 Pro qui finalement, lorsque vous l'avez en main, mais alors c'est un vrai plaisir. Très sincèrement, c'est un vrai plaisir parce que je vous l'ai dit auparavant, tout tombe parfaitement sous la main. C'est un vrai plus. Il est super agréable à manipuler, à visualiser. Voilà, vous le voyez. Franchement, des couleurs, bon, certes, ok, un peu pétantes. On est d'accord, mais franchement, 500, autour des 500 euros, allez, c'est un plus. À la limite, vous le commandez en Chine, vous commandez le modèle légèrement en dessous, ou le nouveau avec l'encoche en goutte d'eau, et c'est les mêmes capteurs, c'est la même puissance, les mêmes RAM, même ROM, et vous pouvez le payer un peu moins cher. Voilà, donc attention à la bande 20, certains modèles l'intègrent avec le français d'origine. Il faut bien regarder les modèles que vous choisissez si vous commandez sur une boutique en ligne. Attention, voilà, c'est tout. Alors moi, mes plus et mes moins, ça va être très très clair. D'un côté, je mets les plus et de l'autre, je mets les moins. Voilà, comme ça. Alors le plus principal, c'est sa finition. Superbe finition, très sincèrement. Alors effectivement, un dos en verre qui prend pas mal les empreintes. Il vous est fourni, attention, avec une petite capote à trous. Voilà, une capote à trous, donc c'est pas une vraie capote, hein, puisqu'il y a des trous, donc elle n'est pas très efficace. Ça protège parfaitement votre téléphone, principalement ça évite les traces de doigts sur la coque arrière, mais il est moins brillant parce que c'est un peu voilà, brossé à l'intérieur, donc un peu maté, on va dire même, ce qui fait que c'est moins brillant que lorsque vous l'avez à la main. Et effectivement, lorsque vous l'avez à la main et que vous voyez ça, les gens le regardent beaucoup. Hein. Sincèrement, je me suis promené avec et j'ai répondu pas mal de fois au téléphone. Les gens le regardent beaucoup parce qu'ils se demandent « Mais quel est ce téléphone ?» Voilà. Et ça, ça le fait. Voilà, je trouve. Après, bon, c'est un peu voyant tout de même, rouge, mais bon, voilà. Alors, sa finition, les courbes en fait de son dos en verre, hein, je vous le rappelle,
Je vous l'ai dit, il est courbé sur les côtés et franchement, ça c'est un plus, il est très très beau, franchement. Donc son écran AMOLED, même si celui-ci, vous l'avez entendu précédemment, jette beaucoup beaucoup de couleurs à la tronche, hein. C'est violent. Enfin violent, j'exagère, là j'exagère quand même, mais c'est vrai qu'il est très flash, voilà. Mais bon, c'est vrai que l'écran AMOLED déjà en rajoute aussi, donc voilà, plus le réglage un peu chinois fait que vous avez des couleurs vraiment bien soutenues, voilà. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas non plus désagréable, sachant tout de même qu'au niveau des options de votre téléphone, vous avez un choix de couleur chaude ou couleur froide. Donc vous pouvez régler ce paramètre et c'est très très important parce que quelque part par défaut il est réglé voyant pétant, mais vous pouvez rajouter des couleurs plus froides, enfin régler votre écran de façon plus froide pour avoir des couleurs plus froides et du coup vous avez un smartphone peut-être un peu plus agréable à l'œil. Les plus photos, vidéos, c'est tout bon de partout. Et surtout, il a un jack 3.5, lui. Attention à noter. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir l'adaptateur tout le temps au derrière de votre téléphone. Je dirais que c'est un plus. Alors, son gros moins. Eh oui, parce que par rapport au prix, il y a un vrai moins et c'est un gros moins. C'est de l'USB 2. C'est pas du type C. Et franchement, à un peu plus de 500 €, c'est un peu exagéré. Très sincèrement, je trouve que là, Oppo est un peu radin, quoi. L'USB type C, vu comment il est déployé aujourd'hui, c'est pas le prix du connecteur qui aurait alourdi le prix du téléphone, très sincèrement. Bref, c'est pas trop gênant. Après, en moins, j'ai noté sa ROM parce que même si on s'y fait, le premier abord est voilà. Qu'est-ce que c'est que cet OS? Qu'est-ce qu'il est lourd? Voilà. Et enfin, voilà, c'est un smartphone super fluide, il répond au doigt et à l'œil. Oui, parce qu'il répond à l'œil, puisqu'il vous capte pour désactiver la sécurité de votre téléphone. Une superbe 3D, hein, l'Adreno 512, bah, ça fait le boulot. Une superbe luminosité en plein soleil. Il a une certification IP67, c'est un énorme plus. Mais voilà, un peu trop cher face à la concurrence et surtout au OnePlus qui sort. Maintenant, chacun ses goûts. Est-ce que vous voulez pas le même téléphone que tout le monde? Bah vous aurez un Oppo R15 Pro, peut-être. Voilà. Bah voilà mes conclusions, voilà tout. Et voilà, j'ai tout fait sur un fond vert aujourd'hui. Et en tout cas pour me parler, voilà. Fond vert que, tiens, pourquoi pas on va changer. Et pourquoi pas on va changer tout de suite. Et me voilà au bord de la mer. C'est peut-être aussi agréable. Voilà, j'en ai fini avec ce Oppo R15 Pro. Qui m'a laissé, mais alors franchement, il me laisse un super souvenir. On va pas mégoter sur les mots, il me laisse un super souvenir parce que c'est vraiment un beau et très bon téléphone, même s'il est franchement un peu cher. Voilà la conclusion du jour. Surtout, n'hésitez pas à. Et puis bien sûr, vous avez le choix. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous êtes libre de vous abonner, surtout vous abonner, parce que plus d'abonnés, ça sera encore plus de choses à venir. Voilà, merci beaucoup à tous. Prenez bien soin de vous, parce que je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye et bisous.